Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons construire un magnifique terrarium pour une espèce de fourmi primitive, avec des décorations, des plantes, tout ça pour une espèce de folie qui va, je suis sûr, s'y plaire. Mais revenons un peu en arrière. J'ai reçu cette colonie d'Arpeggiatus venator il y a maintenant plusieurs mois. Je les avais installés dans ce setup, mais finalement, j'ai décidé d'ajouter un petit nid extérieur. C'était beaucoup plus simple pour les observer, mais aussi pour gérer les conditions. Et après avoir trouvé les bonnes conditions de température et d'hygrométrie, elles ont commencé à pondre. Je suis trop content. Cette espèce est assez fragile et pas forcément facile. Puis, elles ont beaucoup pondu. Tous ces œufs sont devenus des larves. Beaucoup de larves. Et vous savez le plus étrange? C'est que les larves bougent. Regardez ça. En fait, les larves vont directement se nourrir sur la proie, sans l'aide de personne. Et surtout, il peut déjà y avoir des conflits avec les autres larves pour la nourriture. Et justement, la nourriture chez cette espèce est un peu différente des autres espèces. Elles n'acceptent que le vivant. Je dois donc régulièrement leur donner des grillons, des blattes, des mouches, etc. À ce propos, leur façon de chasser est assez atypique. Puisqu'elles vont chasser individuellement, qu'importe la taille de la proie. Il y a quelques mois, je leur avais donné une blatte. Celle-ci avait commencé par visiter l'aire de chasse, mais très rapidement, une ouvrière l'a repérée. Et là, la chasse a commencé. Les Arpeggiatus ayant une très bonne vision, l'ouvrière a commencé à suivre sa proie. Puis, ça y est, c'est le face-à-face. Après quelques secondes, l'ouvrière a réussi à l'attraper et s'en est suivi une énorme bataille. Comme vous pouvez le voir, cette espèce possède un aiguillon dont elle se sert pour immobiliser et tuer. Il faut donc faire attention avec cette espèce. Et finalement, cela n'a pas été très difficile pour nos fourmis primitives. En tout cas, toute cette nourriture leur a été bénéfique. Parce que maintenant, il y a plein de cocons. Et surtout, ils sont énormes. Regardez ça. On en a déjà 4. Mais pensez aussi à toutes les larves qu'il y a. Ça promet une rapide augmentation de la colonie. Et puis en une semaine, le nombre de cocons a énormément augmenté. Ça va super vite. Il est temps, je pense, de les changer de nid et de les passer dans un nid plus grand. Mais cette espèce, avec ses comportements de chasse incroyables, mérite une aire de chasse plus jolie. Alors j'ai décidé de craquer totalement et d'acheter à la fois un nouveau nid, mais aussi une aire de chasse que nous transformerons en terrarium. Je vous avais dit que j'avais totalement craqué, et bien là vous pouvez le voir. Le premier colis, plus petit, contient le nid que je trouve magnifique et qui je suis sûr sera parfait pour cette espèce. Le second, c'est un énorme colis qui contient beaucoup, beaucoup de choses, notamment pour les futures vidéos. C'était vraiment trop cool d'ouvrir un énorme colis comme celui-là. Mais allez, on ne se laisse pas distraire et on ouvre uniquement ce qui est pour cette vidéo. Et on verra le reste plus tard. Voici le petit terrarium qu'on va utiliser. Mais j'en ai profité pour acheter de quoi bien le décorer. Alors rapidement, on va le préparer. Pour ça, on va mettre au fond quelques billes pour le drainage, du substrat de coco, un peu de terra basis et le tour est joué. J'avoue, c'est pas la meilleure composition, mais je veux pas qu'elle déménage dedans. C'est juste une aire de chasse. Et maintenant, place à la décoration. On va mettre un peu de mousse, quelques cailloux et un peu de décoration supplémentaire. Et voilà le résultat. Alors, vous en pensez quoi? J'ai progressé, non? Mais maintenant, il est temps de les déménager. J'avoue, en ce moment, ça fait beaucoup de déménagements, mais je suis content du résultat. Bon, pour ce déménagement, j'avoue, je sais pas encore trop comment faire. Je vais juste connecter l'ancien nid et le nouveau à cette aire de chasse, en croisant les doigts pour qu'elle déménage. Bon, c'est la galère. Après 2 jours, elles n'ont toujours pas voulu déménager, à part 4 ouvrières qui restent dans le nouveau nid. J'ai donc décidé de tenter une nouvelle méthode. En plus, compte tenu du côté hiérarchique et individuel de cette espèce, et les nombreux duels qu'elles font, j'avais peur qu'il y ait une scission de la colonie, alors c'est parti pour la nouvelle tentative. Faut surtout pas que je me loupe. Ça y est, j'ai mis l'ancien nid dans l'aire de chasse sans me faire piquer, et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Ça nous permet au moins de bien pouvoir les observer. Et franchement, c'est super agréable de pouvoir les observer dans un si bel environnement.
Bonne nouvelle, elles ont enfin toutes déménagé et ça va nous permettre de les regarder d'un peu plus près. Alors, enlevons ce cache. Déjà, on peut voir qu'elles sont une quinzaine. Pas mal, non? En vrai, je pensais pas du tout qu'elles étaient autant. Mais surtout, regardez le couvain. Il y a une douzaine de cocons. La colonie va très bientôt doubler. Franchement, j'ai bien fait de leur prendre un nid plus grand, surtout qu'il y a même pas une dizaine de jours, il n'y avait que 4 ou 5 cocons. Et même les œufs. Regardez, il y a encore une bonne grappe. Franchement, je suis super surpris. Je pensais pas qu'il y aurait autant de couvains. Et puis, regardez-les. Elles sont impressionnantes, non? D'ailleurs, voici le crayon que je leur ai mis hier. Il est déjà dans le nid, et il y a même une larve juste à côté pour s'en nourrir. Mais pour l'instant, j'ai pas encore pu faire de belles vidéos de leur exploration de l'aire de chasse, puisque cette espèce est plutôt calme. Seules une ou deux ouvrières sortent dans l'aire de chasse, et que de temps en temps. Ce qui rend ça difficile à filmer. Alors laissons-leur du temps pour se développer, et nous pourrons observer ces comportements fascinants dans une prochaine vidéo. En attendant, restez curieux de ce qui vous entoure, la nature est bien plus fascinante que ce que vous pensez.